Een Franse coach in de Proximus League. Régis Brouard is de trainer van Tubeek en dat ligt op een steenworp van Waterloo. Bij de sporen van Napoleon Bonaparte komen verhalen uit de kleedkamer boven. J'ai un souvenir en tant que joueur, j'ai un entraîneur pendant une préparation de match qui nous a raconté toute l'histoire de Napoléon pour la préparation d'un match. Donc c'était, j'ai un souvenir de ça, donc voilà, la vie est bien faite parce que quelque part je découvre aussi ce site aujourd'hui. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil sympa je trouve. Brouard komt uit de regio van Parijs en debuteerde bij Ulysse, de eerste club van onder andere Thierry Henry. Maar bij Auxerre kreeg hij enkele belangrijke lessen. Effectivement, j'ai passé deux ans à Auxerre au centre de formation avec la génération de Cantona, Boli, voilà toute cette génération. Tous les meilleurs jeunes français étaient dans ce centre de formation. Donc c'était difficile de faire son trou. Mais moi je trouve que ça a été une belle expérience de vie parce qu'il faut se débrouiller seul à 14-15 ans et c'est pas toujours facile. J'ai été joueur professionnel pendant 14 ans, j'ai fait une dizaine de clubs, dont Montpellier en première division. J'ai eu la chance de pouvoir faire un quart de finale de Coupe des Coupes aussi avec Montpellier contre Manchester United. Puis après, je me suis orienté sur cette carrière d'entraîneur. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'entraîne en Ligue 2, en National. Voilà, j'ai fait plusieurs parcours. Et avec ce fameux parcours de Coupe de France avec Quevilly, on a réussi à faire une demi-finale et deux ans après une finale contre Lyon. Dus was de Fransman ook heel blij dat Tubeke in de beker eerste klasse Westerlo uitschakelde. Je suis très attaché à ces compétitions nationales, quel que soit le pays, parce que ça amène quelque chose d'autre, de différent, des émotions différentes, des joies différentes, des relations aussi différentes avec les uns, parce que c'est une compétition qui appartient avant tout aux joueurs. Sans la coupe, c'est très simple, hein, vous gagnez, vous continuez, vous perdez, vous sortez. Donc ça amène autre chose dans l'approche. Bekervoetbal heeft van hem een trainer gemaakt die vooral bezig is met het mentale aspect. Daar heeft hij een bijzondere aandacht voor. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération de jeunes joueurs aussi qui s'éparpillent dans tellement de choses qu'il faut qu'on essaye d'avoir une approche avec eux différente. Moi, j'aime bien travailler dans une relation de confiance. Après, ça n'empêche pas d'avoir une forme de rigueur, d'exigence dans le travail au quotidien. C'est pas toujours simple parce que je suis de temps en temps un peu réservé aussi. Je garde les choses pour moi. Mais comme j'observe beaucoup et j'écoute beaucoup, parce que dans les relations, c'est d'écouter aussi. Pas toujours parler. C'est plus important d'écouter que de parler même, souvent. Et à nouveau, on se fait des passes. Allez, on joue. Jouez avec ce que vous voyez. Bovenal is Brouard gepassionneerd en nieuwsgierig. Vandaar dat hij zich aan een Belgisch avontuur waagt. J'avais vraiment une envie de découvrir un championnat étranger. Puis moi, je suis un personnage, un homme de challenge aussi, quelque part. J'aime bien me mettre aussi un peu en difficulté de temps en temps, de voir jusqu'à où je peux aller à mes limites. Eind augustus kwam hij in een club terecht die nog altijd droomt van de eerste klasse. Er wacht Brouard een belangrijke taak. Il y a un départ compliqué au niveau des résultats dans les trois premières journées, donc on partait avec un handicap quand même assez important. Je pense qu'on a bien refait surface. C'était pas facile, pas simple. Je trouve qu'il y a des véritables enjeux tous les week-ends et j'ai presque envie de dire qu'on se rapproche un peu de l'enjeu de la coupe. Parce que c'est presque coup près les matchs. Donc franchement, si le club a la chance, si les joueurs ils ont la chance de pouvoir d'aller le plus loin possible et de vivre des choses particulières, il ne faut surtout pas s'en priver, se gêner de ça. Qui vivra verra.